Viens. Oui. Monte, je vais te parler. Entre. Papa est occupé. Il fait ses comptes. Oh, tant mieux. Ce que j'ai à dire le mettra en colère. Tu vois dans quel état je suis. Cette fièvre m'épuise. Tu as la fièvre? Je n'arrive plus à la faire tomber. Veux-tu de l'aspirine? Ah, déjà, t'en prie. Je crois pas que je suis malade, n'est-ce pas? Non. Adrienne, je crois que je vais mourir. Mais tu es folle! Il y a 12 ans que je suis malade. Oh, mais si c'était vrai, nous l'aurions su. Mais tu le sais très bien. Tu ne me laisses jamais approcher de toi. Tu as peur de la contagion. Pourquoi ne vois-tu pas un docteur? Quel docteur? N'importe lequel. Celui d'à côté. Celui-là ou un autre? Oui, mais celui-là plutôt qu'un autre. Pourquoi dis-tu cela? J'ai deviné. Deviné quoi? Ce n'est pas vrai. Tu t'es coupé le bras exprès. Qu'est-ce que tu en sais? J'ai des yeux pour voir. Ça ne te regarde pas. Tu m'auras terriblement malheureux. Comment ça? Comment? Je ne sors plus à ma guise. Je suis forcée de jouer avec vous. Je ne peux même plus ouvrir une fenêtre. Je suis prisonnière, prisonnière. Et tout ça à cause de toi. Ah, tu souris. Tu es contente. Tu veux m'empêcher de vivre parce que tu as peur de mourir. Eh bien, meurs. Meurs donc.